Bonjour, aujourd'hui à l'émission, on vous entraîne dans le monde de l'intelligence numérique parce qu'on visite le Cédrin de Matane. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Voici avec Isabelle Caillé. Isabelle, tu es la directrice générale du Cédrin. J'aimerais que tu m'expliques brièvement qu'est-ce que c'est le Cédrin. C'est à la base un centre de recherche appliquée. Donc, comparativement aux universités, on ne fait pas de la recherche pour développer des nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs. On fait de la recherche pour répondre à des problèmes d'entreprise ou d'organisation. C'est un centre de recherche appliqué qui a des reconnaissances au niveau provincial et fédéral pour faire de la recherche dans une optique de développement de compétences aussi pour les collèges. Mm. On fait participer des stagiaires universitaires aussi. Fait qu'il y a une grosse dimension des CCTT, là, on appelle ça des CCTT ou des centres d'accès à la technologie au Canada, qui permettent la participation d'enseignants ou d'étudiants à la recherche, à l'aide technique, à la formation. Et dans quel champ est-ce que vous œuvrez? Prioritairement, c'est les industries créatives et culturelles. Donc, on parle des studios de jeux, cinéma, animation, effets visuels, design, publicité, marketing. Puis au niveau secondaire, plus santé, éducation. Donc là, c'est plus les expériences de réadaptation physique, de réhabilitation mentale, mais aussi des technologies éducatives, comme des formations qu'on va faire en réalité virtuelle, par exemple. Fait que c'est des secteurs de transfert de ce qu'on fait pour les industries du divertissement, notamment. On s'entend qu'on est dans un domaine, c'est un domaine en fait en pleine mutation, ça évolue rapidement. Mm-hmm. Comment est-ce qu'on fait pour être toujours à jour? C'est quotidien. Premièrement, on a une équipe qui est... ça prend des gens très, très curieux qui vont faire de la veille quotidiennement. Fait que si on prend le Cédrin en tant que tel depuis son ouverture en 2012, on est passé d'un centre qui était reconnu pour la capture de mouvement. On est dans le studio de capture de mouvement. Et pour la capacité de faire de la 3D avec des artistes, à 7 ans plus tard, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, il y a un shift énorme au niveau de l'évolution des technologies. Les ordinateurs sont plus puissants, les serveurs sont capables de faire du calcul puis d'accumuler plus de données. Ça transforme toutes les industries, mais ça transforme aussi les industries créatives et culturelles. Fait que comment on fait pour s'adapter, je dirais, presque au mois, là? C'est en connaissant bien ce qui se fait de mieux au niveau numérique, autant au niveau des dispositifs, là, casque de VR, réalité mixte augmentée, virtuelle, mais aussi au niveau des machines. Donc, nous, on travaille beaucoup avec le rendu graphique. Donc, si on parle des cartes graphiques, moi, c'est pas mon domaine, mais il y en a qui trippent sur les cartes graphiques en haut. Donc, c'est de veiller aux dernières technologies, puis autant que possible, être capable, être en mesure de les avoir ici pour permettre d'être toujours sur le edge, être toujours à la fine pointe. C'est pas évident parce que ça va tellement vite qu'on a de la difficulté à suivre. Ça, c'est les équipements, mais ça prend aussi les compétences qui vont avec. Puis c'est là où on a, nous, un avantage de garder notre équipe, nos experts les plus compétents possibles parce que les enseignants, les étudiants viennent se nourrir de cette expertise-là. Puis c'est là où la formation gagne en qualité. Et puis on est à Matane, on ne l'oublie pas. Là. Pour faire ça, bien, il faut faire des projets avec des clients qui sont essentiellement à Montréal et Québec. Donc le mouvement de la transformation numérique ne se fait pas nécessairement ici dans la région. Mais notre job, c'est de ramener ça le plus possible au Cédrin pour ensuite le transférer au cégep de Matane. Isabelle, tout ça peut paraître un peu abstrait pour monsieur, madame, tout le monde quand on n'est pas ici. Mm-hmm. À quoi on peut s'attendre, la modélisation? Qu'est-ce qu'on va faire exactement aujourd'hui? Bien, ce qu'on vous propose, c'est carrément faire une expérience dans un prototype qui a été développé en recherche avec des enseignants du cégep. On a monté un système avec des caméras. Donc, on peut prendre des photos des gens dans la vie avec une seule caméra, des milliers de photos. Mais là, on prend des centaines de caméras, puis on va prendre une seule photo. Puis au lieu d'avoir Alicia sur un plan en 2 dimensions comme ce qu'on connaît dans les standards, bien, on va
construire, reconstruire une Alicia en trois dimensions. Mm-hmm. La beauté de la chose, c'est que ça se fait en un clic. Et puis, vous allez voir, vous reconstruire dans l'univers virtuel avec la technologie qui existe depuis pas si longtemps que ça, parce qu'au début du Cédrin, tout se faisait à la main par des artistes de modélisation de personnages. Fait que c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Bien, écoute, Isabelle, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va paraître à l'écran, parce que finalement, je vais être un personnage virtuel. Oui, c'est la meilleure façon d'être narcissique dans les années 2000. On va essayer ça. Salut, mon nom est Richard O'Neill, je suis propriétaire du Café du Moussonneur, un coffee shop au centre-ville de Rimouski, puis un atelier de torréfaction dans le quartier industriel. Moi, je fais des cafés moussonnés, donc je fais un produit de niche depuis 10 ans. La particularité de ce que je fais, c'est que je trempe du café dans l'eau de mer aux îles de la Madeleine l'été, en plein mois d'août. Et ensuite, je l'amène ici à Rimouski pour être torréfié au fur et à mesure du temps de l'année ou des torréfactions que j'ai à faire. En réalité, ce grain-là qui est trempé dans l'eau de mer, il est saturé de sel. Donc, ce café-là, si on le buvait à l'état pur, ça serait imbuvable. On connaît tous l'histoire du sel qui rehausse les saveurs, et etc. Donc, avec le café, c'est la même chose. Donc, si je fais un mélange de café, un assemblage de café avec le café moussonné, je vais rehausser les arômes des cafés qui vont être incorporés dans ce mélange-là. Tout simplement ça, c'est pas plus que ça, mais finalement, ça fonctionne, ça marche. Les cafés moussonnés, ça vient de l'Inde, qui était producteur de café dans les années 1600-1700. Et puis, l'Angleterre importait leur café, et ces cafés-là étaient mis dans des cales de bateaux. Donc, ça prenait 6 mois à se rendre en Angleterre. Et un coup que c'était rendu en Angleterre, ben ça avait quand même un goût particulier, ce café-là, parce qu'il avait gonflé avec l'humidité d'eau de mer. Un petit côté salin aussi, qui était à l'intérieur du grain. Donc, les Pays-Bas, l'Autriche, ces pays-là, où ce qu'on retrouvait les torréfacteurs du temps, avaient adopté ce café-là. Et il l'attendait à tous les années. C'est un café très prisé. Fait que finalement, ça s'est perdu dans le temps parce que avec les bateaux à moteur, le canal de Suez, les conteneurs d'aujourd'hui, on ne trouve plus cette particularité-là. Donc, moi, j'ai essayé de recréer tout simplement, selon la vraie histoire des cafés moussonnés, avec de l'eau de mer, finalement, pour en arriver à ce qu'on fait présentement. En réalité, les gens vont prendre leur café tous les matins, le soir, après souper, dans un haut restaurant. La consommation de café est très élevée, mais on le prend comme étant un produit de commodité. Maintenant, si on regarde les producteurs d'un autre côté, ont de la misère à en vivre. Donc, il faut qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. Et puis, le café, quand il est bien travaillé chez un producteur avec les méthodes différentes qu'on trouve de plus en plus, aussi une demande pour ces produits-là. Les gens, il y en a qui sont comme un peu écœurés de boire toujours la même chose, d'une compagnie à l'autre, d'un restaurant à l'autre. Ils veulent goûter d'autres choses, comme les vins. On a des vins qui viennent de la Californie, des vins français, des Australiens. Bien, c'est trois vins quand même assez différents, des méthodes de viniculture qui sont complètement différentes et qui donnent des goûts particuliers. Et je pense que les gens sont rendus là, sont rendus à vouloir explorer les goûts, la qualité, puis sont prêts à payer pour. Donc, c'est tout un avantage pour les producteurs ainsi que les torréfacteurs ici au Québec ou aux États-Unis, qu'importe, à la grandeur du Canada. Ça commence à se développer beaucoup, le café de spécialité. Donc, la population est rendue là et de toute façon,
ils n'auront pas le choix, parce que c'est les producteurs qui vont finir par stabiliser tout ce système-là, puis qui vont dire, bien, non, c'est plus un produit de consommation courante. Lorsque vous allez boire votre café aujourd'hui, vous allez penser à tout le travail qu'il y a dedans. Normand Dubé. Je suis l'artisan du cuir ciselé. Quand j'ai commencé à travailler le cuir, c'est à l'école Monseigneur Blais, qui était anciennement l'école des métiers de la ville de Rimouski. On apprenait l'électricité, la menuiserie, l'ébénisterie. Puis il y avait le cuir ciselé. Moi, j'ai travaillé une grosse partie de ma vie dans le secteur de l'imprimerie. Puis quand que Internet a fait son apparition, ben j'ai perdu mon travail parce que les imprimeries ont toutes fermé. Puis là, moi, en étant que j'avais le cuir pour passer mon temps à la maison, ben j'ai décidé de prendre ma retraite pour me concentrer dans ma passion que j'aime le plus, c'est de travailler le cuir. Ça prend beaucoup de patience parce qu'il ne faut pas que tu te trompes de trait. Dans l'impression ou bien dans la coupe du dessin, c'est certain qu'à un moment donné, il va falloir que tu trouves quelque chose pour corriger l'erreur que tu as faite. Là, l'image est transférée sur le cuir. Là, je prends mon outil qui est ici, c'est le ciseleur. C'est une lame porcelaine. Ça coupe beaucoup, mais c'est fait juste pour couper le cuir. Ça coupe pas le bois puis ça coupe à rien d'autre. Il faut tout le temps que ton cuir soit mouillé. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sinon, la lame ne coupe pas. Ça fait 45 ans que je travaille le cuir. Ça a toujours été une passion pour moi parce que on appelle ça du visuel culturel. J'ai fait quelques expositions à la grandeur de la province de Québec, mais il n'y a pas beaucoup d'artisans du cuir ciselé parce que ça prend une extrême patience pour travailler le cuir. Parce que travailler le cuir, c'est bien beau de faire le dessin, mais un coup que le dessin il est fait, un coup qu'il est travaillé, ben là, tu tombes dans le montage du sac à main. C'est que cette sacoche-là, la personne qui va me l'acheter, dans 30 ans d'ici, avant de mourir, elle va la donner à sa fille, que sa fille va faire 30 ans avec, puis 30 ans plus tard, elle va la donner à ses petits-enfants. C'est du garanti à vie. C'est ça, de travailler le cuir. C'est une passion parce que c'est de quoi qui est durable, c'est de quoi qui dure longtemps. T'as pas ça dans le plastique, puis t'as pas ça dans le simili-cuir. Le simili-cuir, un homme me demandait l'autre jour comment ça se fait que je m'achète des ceintures à 10$ puis qu'ils t'offrent pas. Ben j'ai dit, c'est parce que là, ils prennent un carton, puis là, ils prennent un plastique, puis c'est un petit peu comme un lamineur. C'est que le plastique vient reposer sur le carton. Puis là, ils coupent ça en lanières, puis ils font des ceintures avec ça. Ça trois mois plus tard, bien là, le cuir commence à casser. C'est pas du cuir, on voit tout de suite que c'est du carton. C'est pas du solide. Puis là, le monde, ils jettent ça à la poubelle, puis ils vont en rajouter un autre en disant, bien, regarde, j'ai bien fait, je l'ai payé un 10$. C'est valorisant. C'est comme un deuxième métier, mais moi, c'est pas l'argent que je vis, c'est vraiment... De m'occuper les 10 doués. Le biseau, il a pour but de faire sortir la pièce, faire sortir le dessin. Ouais, ça, c'est vraiment l'avantage, c'est de faire des grosses lignes, comme ça, le dessin n'est pas trop dur à faire. Mon père, il était cultivateur. Puis ma mère, elle me disait toujours ça, que en étant que ton père, il est cultivateur, normalement, c'est que toi, tu vas avoir des dons plus tard de travailler le bois, travailler l'acier, ou tu vas vouloir performer dans un métier que personne ne fait.
Donc, moi, ma passion, c'est ça. Je suis bien ici, là. Je suis dans mon bureau, je suis dans mes affaires, je pile pas ses pieds à personne. Puis c'est le fun, c'est beau, ça fait de quoi de beau. Je me retrouve avec Robert Baronnet. Robert, tu es enseignant-chercheur au cégep de Matane et au Cédran. Et là, on se retrouve dans un volume de photogrammétrie. Qu'est-ce que c'est un volume de photogrammétrie? Un volume de photogrammétrie, c'est un endroit où on peut photographier une personne avec 100 ou 150 ou 200 caméras qui sont installées dans une structure et puis qui nous permet de juxtaposer les images les unes aux autres et de reconstruire le volume 3D de la personne. À quoi ça sert de faire ça? À quoi ça sert? Bien, un volume photogrammétrique, ça sert à reproduire, par exemple, un objet ou une personne en 3D, et puis après, l'animer dans un jeu vidéo ou dans un film de fiction. On voit souvent des personnages dans des situations particulières, et puis elles ont été à prime abord, photographiées dans un volume, puis après coup, on les revêt sur une espèce de squelette animé. Donc ça devient, en fait, quand on est modélisé, on devient un personnage, on peut faire ce qu'on veut, on peut le mettre dans n'importe quel environnement, là. Oui, un objet 3D qui peut être articulé de toutes sortes de manières. Ben écoute, je vais l'essayer. Ben oui. Je vais me faire prendre en photo, je vais être la vedette finalement. Puis j'ai vu que des fois, on pouvait utiliser des accessoires aussi pour être modélisé. Oui, tout à fait. Ouais. OK. Alors, je vais te chercher ça. Ben oui, on va l'essayer. Donc là, je la tiens comme ça dans mes mains et je me positionne au milieu. Oui, mais tu vas te tourner parce que le devant de la caméra est là. C'est ici. Oui, d'accord. Tout à fait. OK. Ça te va comme ça? Ben oui. Je suis prête. C'est bien, c'est fait. Alors, ça a bien été? Ça a très bien été. C'était vraiment pas compliqué. C'est aussi simple que ça. Oui. Alors maintenant, on va aller récupérer les images qui sont attachées après tous les mini-ordinateurs qui sont là. Oui. Et puis, on va les placer dans le logiciel pour te reconstruire en 3D. Est-ce que c'est long à faire, ça? Non, c'est pas si long que ça. Ça va nous prendre une dizaine de minutes. Ah, oh, OK. Est-ce que demain matin, je pourrais me retrouver dans un jeu vidéo, par exemple? Tu pourrais, mais je ne t'ai pas photographié dans la bonne position. De façon traditionnelle, lorsqu'on photographie un personnage dans un volume photogrammétrique, on lui demande la pose T, qu'on appelle, donc les bras dégagés du corps, les jambes écartées légèrement, de manière à ce qu'après coup, on puisse l'articuler. Donc, plus facilement. Oui, tu pourrais te retrouver dans un jeu vidéo. Effectivement. Et puis les objets comme la Terre, ben on va la rendre à part. Et puis là, ben ça va devenir un objet qu'on va pouvoir... On peut intégrer dans le jeu quelque part. Donc, on se rend compte vraiment que tout est possible, il n'y a pas de limite. C'est un domaine, en fait, qui est en plein essor, là. Tout à fait, en plein essor. Puis il y a tout un calcul mathématique derrière ça qui nous permet de reconstruire des images. Ça semble facile, là, pour le premier utilisateur. Moi-même, tu sais, j'étais étonné de ce que le logiciel est en mesure de faire, mais j'imagine les barres de code qu'il y a derrière ça, pour tout transposer, chacun des petits éléments d'information sur une photographie en point, faire devenir ça en polygone, après coup, être en mesure de mapper le tout avec la texture et la couleur des photos. Oui, il y a du travail en arrière. On a l'outil, mais tout est là, finalement. Oui, mais il y a énormément d'heures de code, de travail pour ceux qui ont composé le logiciel, tu sais. Merci, Robert, pour ces apprentissages, puis nous avoir fait découvrir cet univers.